shalom à tout le peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous donne. Dans ce jour où l'Église célèbre le bon pasteur et l'Église prie également pour la vocation, pour les vocations. Et nous allons souhaiter une bonne fête à tous nos pères, une bonne fête à notre évêque, une bonne fête à tous les aumôniers, une bonne fête à tous les religieux, les laïcs consacrés. Et dire merci au Seigneur, lui qui est le bon pasteur, lui qui est la bonne porte, lui qui veut en ce jour tisser une nouvelle alliance d'amour avec nous. Car aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, une nouvelle porte va s'ouvrir, une nouvelle histoire d'amour va être scellée avec le roi des rois, va être scellée avec le Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi je t'invite à te disposer, à recevoir cette grâce. Nous sommes heureux d'accueillir sur notre plateau Arbre de vie. Nous sommes à notre 6e émission, le frère Pierre-Marie Kungu du groupe Emmaüs de Pikin. Mon frère, sois la bienvenue. Que Jésus-Christ t'accueille. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie et pour ton ministère. Et nous accueillons également notre chambre Anne la grâce du groupe Emmaüs. Anne, sois la bienvenue. Reçois toutes les grâces dont ton âme a besoin ce jour. Il y a toujours notre chambre d'amour, Linda, et le frère Théo qui vont accompagner la sœur. Parce que pour vous dire vrai, quand Jésus se fait inviter au milieu de nous, il nous donne aussi la possibilité d'inviter ses enfants. Parce que Jésus-Christ a changé notre identité. Jésus-Christ nous a donné un nom nouveau. C'est pourquoi ce soir encore, nous voulons dire un merci à la Vierge Marie. Parce que vous savez tous que nous sommes dans le mois de mai. Ce mois qui est consacré à la Vierge Marie. Nous allons demander à cette mère de venir nous couvrir de son manteau, de venir nous donner la grâce, de marcher dans la révélation de cette parole que notre frère va nous donner aujourd'hui. La parole dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons faire un Ave Maria et alors confesser également notre foi dans le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père le Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Nous allons louer avec le ministère des anges la Reine des cieux, la Mère de tous les prêtres, la Mère de tous les pasteurs, afin que Maman Marie intercède pour tous nos frères et sœurs qui désirent se consacrer à Dieu. Ensemble, nous allons louer la Vierge. Maman Maria, Salve Regina.
a dit oui. La mère des hommes, la mère de toute l'Église. Maman Marie, nous te disons merci pour ce temps merveilleux. Nous voulons te consacrer ces moments. Et nous te demandons de venir manifester la puissance de ton amour au milieu de nous. Nous allons laisser la parole à notre frère Pierre qui va venir nous parler sur ce thème. Soyez tous bénis et je vous invite vraiment à écouter le message d'amour que Dieu va nous donner aujourd'hui. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui permet ce moment. Je bénis le Seigneur qui nous permet d'être là aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour la vie de ma sœur que j'appelle affectueusement Maman Cathy. De la divine providence de l'espérance. Alléluia. Un nom prophétique et on le verra tout à l'heure. Parce que vraiment, c'est une révélation. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont eu à passer ici, mes prédécesseurs. Je bénis le Seigneur pour leur vie et pour le message qu'ils ont donné. Des messages poignants qui ont touché et qui vont encore transformer des vies. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont là, présents, à nous écouter, à nous suivre en direct, mais aussi pour ceux qui verront cette émission en retransmission. Vraiment que le Seigneur les bénisse et garde leurs espérances. Je bénis le Seigneur surtout pour la vision de cette émission qu'il a permis, surtout pour la vision de cette émission qui nous donne de porter l'évangile, même au-delà des quatre murs de l'église. Même si les églises sont fermées, nos bouches ne sont pas fermées. Amen. Même si les églises sont fermées, la parole de Dieu n'est pas fermée. C'est ce que Saint Paul dit lorsqu'il a été emprisonné. Qui peut emprisonner la parole de Dieu? Personne. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est ce que nous célébrons cet après-midi. La parole de Dieu qui est libre, que personne ne peut détenir. Amen. Le fait qui m'a été donné de partager, c'est ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est du livre de Saint Jean, au chapitre 11, au verset 40. Voilà, je vais vous proposer de lire tout le chapitre pour comprendre le contexte. Parce qu'il y a vraiment, comme l'a dit notre sœur, une révélation que le Seigneur veut nous dire à travers de cette parole. Voilà, que le Seigneur veut nous révéler à travers de cette parole. Nous allons lire toute la parole pour comprendre le contexte. Et je vais demander au ministère Chance de prendre le chant, ne t'ai-je pas dit que si tu vois, pour disposer vraiment les cœurs en entendant cette parole. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire dans ta vie.
Saint Jean, au chapitre 11. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare, et sa sœur et Lazare, son frère. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore dans le lieu où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Allons de nouveau en Judée. » Ses disciples lui disent, « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Mais s'il marche la nuit, il bute, parce que la lumière n'est pas en lui. Il dit cela et ensuite, notre ami Lazare repose, leur dit-il. Mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il repose, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, afin que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux condisciples, allons-nous aussi pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie était près de Jérusalem, distant d'environ 15 stades. Et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Le crois-tu ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret, « Le maître est là et il t'appelle. » Celui-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui. Jésus n'était pas encore arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient, la vie se levait bien vite et partit. Il la suivit, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant tombant, tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Paix et joie. Amen. Voilà, j'aimerais qu'on fasse une pause ici, parce que cette parole est revenue 2 fois de la bouche de 2 personnes différentes qui croyaient en Christ et qui avaient confiance en Christ. D'abord, Marthe dit à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ensuite, c'est au tour de Marie, lorsqu'elle rencontre Jésus, de lui dire, « Si tu avais été ici, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Dans les situations qu'on vit, souvent difficiles, souvent dures, dans les circonstances de la vie, dans les moments que nous vivons, dans les lits d'hôpitaux, dans les moments difficiles que nous vivons en famille, dans nos foyers,
Quelquefois, on a tendance à penser que le Seigneur nous a oubliés. Et comme Marc et Marie nous disons, Seigneur, si tu avais été ici. Mais là, je pense beaucoup plus à cette personne qui est remplie de foi et qui même, lorsque les problèmes et les soucis l'assaillent, lorsqu'il est dans la détresse et la tribulation, il se rappelle que le Seigneur ne l'avait pas oublié. Et cette personne chante et dit, Seigneur, si tu n'avais pas été là. Et nous nous disons pas, Seigneur, si tu avais été ici, mais nous disons, Seigneur, que serais-je ma vie si tu n'avais pas été là. Et ce cantique, je le sens, ce que le Seigneur met dans mon cœur, va toucher quelqu'un qui nous écoute, va transpercer le cœur de quelqu'un qui nous écoute. Alors je vous invite à écouter ce cantique. Alléluia. Si je vis, c'est...
allons continuer la lecture de la parole de Dieu. Lorsqu'il la vit pleurer et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit, où l'avez-vous mis? Il lui dit, Seigneur, viens et vois. Jésus versa des larmes. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas? Alors, Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit, enlevez la pierre. Amen. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Cela dit, il s'écria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Et joie de Christ. Amen. Voilà, c'est une parole qui est un peu longue, mais il nous fallait lire le tout pour comprendre le contexte de la parole de Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand j'ai reçu ces paroles, j'ai dit au Seigneur, que dire à ton peuple? Que dire à tes enfants? Qu'est-ce que toi, par ton esprit, tu nous dis à nous? Parce qu'à moi aussi tu parles. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En lisant ces paroles, on voit la relation d'amour qu'il y a entre Jésus-Christ et Lazare. On regarde la relation d'amour qu'il y a entre Jésus-Christ et Marie. On regarde la relation d'amour qu'il y a entre Jésus-Christ et Marthe. On regarde la relation d'amour qu'il y a entre Dieu et les hommes, entre Christ et nous. Ce lien d'amitié, ce lien indéfectible de l'amour filial, de l'amour agapé. Seigneur, parlerai-je à ton peuple de l'amour? Il m'a dit non, on a trop parlé de l'amour. Pas que c'est suffisant, pas qu'on doit arrêter de parler de l'amour, on continuera à parler de l'amour. Mais l'amour a tellement mis au devant que maintenant les gens comprennent ce que l'amour d'un point de vue. Mais il faut qu'ils approchent l'amour d'un autre côté. Amen. Seigneur, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? De quoi allons-nous parler? De la foi? Parce qu'il s'agit de la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et tous les thèmes qui ont été... que j'ai essayé de faire des recherches pour avoir une idée sur ce de quoi je devais parler. Mais tous ceux qui portaient leur enseignement sur ne t'ai-je pas dit que si tu crois, on parlait de la foi. Le Seigneur m'a dit non, tu ne parles pas de la foi. Seigneur, de quoi parlerai-je? Des trois. De l'une des trois qui demeurent. M'a dit le Seigneur. 1 Corinthiens 13, au verset 13, le Seigneur dit, par la bouche de l'auteur sacré, Saint Paul, alors voici ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Le Seigneur m'a dit, on a tellement parlé de la charité, on a tellement parlé de la foi, mais on oublie l'espérance. Alléluia. On ne parle pas beaucoup de l'espérance. Alléluia.
on ne parle pas assez de l'espérance. Et pourtant, c'est l'âme du moment. C'est l'âme des circonstances. C'est l'âme de ce ciel. Et il m'a donné de voir, de comparer la très sainte Trinité aux trois vertus théologales. Si on peut voir, on peut comparer la charité au Père qui est plein d'amour, qui a aimé le monde, qui a créé le monde par amour et qui dans cet amour pour le monde a programmé, a planifié le salut de l'homme en donnant son fils ce qu'il avait de plus cher par amour. On peut aussi comparer le Fils par la foi, parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous avons été réconciliés au Père par Jésus-Christ. Le Christ est la personne de la foi. Mais l'espérance, on le comparera à l'Esprit-Saint. De ces trois personnes, c'est la personne qu'on a le moins découvert depuis ces siècles. Et pourtant, Jésus nous dit que le Saint-Esprit est notre avantage. Nous sommes dans ces temps, tout le monde le sait, dans la dispensation de l'Esprit-Saint. Et pourtant, on ne parle pas assez de l'Esprit, de la personne de l'Esprit. C'est ainsi aussi qu'on ne parle pas assez de l'espérance. Et le Saint-Esprit m'a demandé aujourd'hui de vous parler de l'espérance. Et le lien qu'a la Sainte Trinité, tu ne peux pas parler du Père sans ne pas parler de l'Esprit. Tu ne peux pas parler de l'Esprit sans ne pas parler du Fils. C'est ainsi que, pour ces trois vertus théologales aussi, on ne peut pas parler d'une seule sans pour autant ne pas parler de l'autre. Tu ne peux pas parler de l'espérance sans pour autant ne pas parler de la foi, sans pour autant ne pas parler de la charité. Parce qu'elles sont tous les deux, tous les trois liées, et d'une liaison indéfectible. Aujourd'hui, le Seigneur me demande de vous parler de ces trois vertus, surtout de l'espérance. De l'espérance qui s'appuie sur la foi. Alléluia. Et qui se nourrit de la charité. De l'espérance qui s'appuie sur la foi et qui se nourrit de la charité. C'est quoi l'espérance? Me dira-t-on. Mais commençons par dire d'abord tout ce que l'espérance n'est pas. L'espérance n'est pas l'espoir. Deux mots qui ont la même racine, mais souvent qu'on confond. L'espérance n'est pas l'espoir. Parce que l'espoir est une probabilité. L'espoir, c'est un si, c'est un peut-être. Les choses ne vont pas bien, mais peut-être à 90%, ça ira. L'espérance n'est pas l'espoir. L'espoir est un sentiment humain que nous pouvons ressentir dans certaines circonstances de notre vie. Mais l'espérance est divine. D'où sa notion de vertu théologale, qui veut dire qu'il a pour objet Dieu, c'est-à-dire que son origine, c'est Dieu, on le reçoit par grâce, et à Dieu il va revenir. L'espérance n'est pas l'espoir, ce n'est pas une probabilité, l'espérance est une certitude. L'espérance est une certitude des choses à venir, une certitude de la gloire de Dieu, une certitude de la vie éternelle. Si l'Église nous dit que la foi, c'est la disposition à croire aux choses révélées, il nous dit que l'espérance, c'est la disposition à espérer les béatitudes. C'est le désir que nous avons du bonheur, c'est le désir de bonheur que nous avons de posséder le royaume des cieux et la vie éternelle. En mettant notre confiance dans les promesses du Christ, non pas par nos propres forces, mais par le secours de la grâce de l'Esprit Saint. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 1er, au verset 3, Saint Paul, en priant pour l'Église de Thessalonique, dit ceci. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu le Père, notre Père, de l'activité de votre foi, du labeur de votre charité
et de la constance de votre espérance. Parce que la foi, elle est active. La foi ne dort pas. La foi est en mouvement. Et c'est par cette foi-là qu'aujourd'hui, nous sommes là pour prêcher l'Évangile. C'est par cette foi-là que nous sommes dans nos ministères à exercer. C'est par cette foi-là que nous allons à l'église pour prier le Seigneur. Saint Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est une foi vaine et une foi morte. Donc la foi doit tout le temps être en activité. Et l'amour, le labeur de votre amour, ça veut dire que l'amour est un travail continuel de soi-même, de notre caractère, de nos mauvaises habitudes pour le prochain. L'amour supporte tout. L'amour n'est pas jaloux. Donc c'est un travail continuel que nous devons faire au-dedans de nous-mêmes. La version de Louis II, à la place de labeur, dira sacrifice. Le sacrifice de votre amour. Comme Christ s'est sacrifié en se donnant, comme le Père s'est sacrifié en donnant ce qu'il avait de plus cher, nous sommes appelés dans l'amour à nous sacrifier pour les autres, à nous oublier, à tuer le vieil homme, afin d'être charité pour les autres. Mais pour l'espérance, on nous parle de la constance. De la constance. Parce que l'espérance ne bouge pas. L'espérance reste inébranlable. L'espérance reste affermie. Si on peut comparer la foi au moteur qui nous fait agir, qui nous fait marcher, si on peut comparer la charité au travail qui nous nourrit, l'espérance, nous allons le comparer au boussole qui demeure constant, fixé vers le nord. Ainsi que le boussole, la boussole du moins, nous fixe vers le nord. L'espérance du moins nous fixe vers les choses d'en haut, vers les biens eschatologiques qui nous sont réservés. Imaginez que vous êtes dans une barque et que le vent souffle et que la tempête crie. C'était le thème de la dernière édition. Jésus calme la tempête de nos vies. Mais dans la tempête de nos vies, dans cette tempête-là, dans la barque, ce qui nous fait traverser les tribulations, les détresses, c'est l'espérance. Parce que l'espérance est identifiée à l'ancre. C'est l'ancre de notre âme. C'est l'ancre de notre âme. Ainsi, l'espérance va au-delà de seulement espérer les biens à venir. Mais l'espérance aussi espère les grâces dans ce monde ici-bas. L'espérance est la certitude de posséder les choses à venir, la vie éternelle, le royaume des cieux, mais c'est aussi la certitude de posséder les grâces ici-bas sur la terre, les grâces que nous donne le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, qui est le gage de notre espérance, de notre héritage, l'espérance est aussi cette gage-là que nous avons des choses à venir. La foi est très importante, mais l'espérance, c'est la foi dans la longévité. Alléluia. L'espérance, c'est la foi en marche. L'espérance, c'est la foi dans éprouver, la foi dans les épreuves. Et c'est ce que nous dit Romains 5, du verset 1 au verset 5. Et je vais vous inviter à lire cela avec moi, cette parole avec moi. Ayant donc reçu notre justification de la foi,
Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que par la foi, Christ nous a réconciliés au Père. Lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce. Quelle grâce? Cet état de grâce, c'est l'amitié divine qui a été instaurée entre nous et le Père. Amen. En laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Que dis-je? Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. Que la constance est une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance. Dans la tribulation, notre foi est éprouvée. Et cette vertu éprouvée-là, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Voilà pourquoi l'espérance est l'âme du moment. Quand il y a le désarroi, quand il y a la détresse, quand il y a les tribulations, quand il n'y a plus d'espoir. Parce que quelqu'un disait que l'espérance, c'est espérer lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Et c'est là que nous comprenons que le message de Jésus, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est un message d'espérance. Croire à l'espérance. Regardez la situation dans laquelle était Lazare. 4 jours dans le tombeau, ce n'était pas anodin. C'était pour faire comprendre qu'il n'y avait plus rien. Parce que quand quelqu'un est 3 jours et est mort pendant 3 jours, on peut dire qu'il a été dans le coma. Mais 4 jours, et la parole nous dit qu'il commençait à dégager. Il commençait à sentir. Il commençait à dégager un odeur. C'est ce que nous dit la parole. Pour montrer qu'il était vraiment mort et qu'il était en train de pourrir. Et c'est dans cette situation-là où il n'y a plus de solution. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu croire en la parole que Jésus leur annonçait. Jésus a dit à Marthe, si ton frère ressuscitera, Marc, dans la foi, lui dit, oui Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Parce que j'ai foi en toi. Jésus dit à Marie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi, ne mourra pas. Crois-tu? Marie dit, oui Seigneur, je crois. La foi. Mais arrivé devant le tombeau, ils ont dit à Jésus, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Ont-ils perdu la foi? Ils n'avaient pas conscience de ce que l'espérance, qui est une certitude, de ce que l'espérance qui ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit point. C'est ce que nous dit Romains 8 au verset 24. L'espérance ne déçoit point. Notre espérance ne déçoit pas. Oui, il était mort depuis 4 jours, il a couru. Mais Jésus était certain de sa résurrection. Et il veut que nous soyons en toutes circonstances animés par cette espérance. Comme notre père Abraham, espérant contre toute espérance. Nous dit Romains 4 au verset 28, au verset 18 du moins. Notre père Abraham, espérant contre toute espérance. C'est pourquoi il est devenu le père d'une multitude. Devant quelle situation? Il n'a pas regardé son état de vieil homme. Il n'a pas regardé l'état de sa femme qui avait déjà atteint, au-delà d'être stérile, qui avait atteint la ménopause. Donc, qui ne pouvait plus donner de fruits. Dans ces cas impossibles, il a espéré, nous dit la parole, contre toute espérance,
C'est ce que le Seigneur veut aujourd'hui que tu fasses, que tu espères contre toute espérance. Espérer quoi? Les promesses de Dieu, sachant que celui qui a promis est assez puissant pour accomplir sa promesse. Amen. Que celui qui a promis est assez puissant pour accomplir sa promesse. Alléluia. Voilà pourquoi, dans les tribulations, dans le désarroi, dans les difficultés, dans ce moment que nous sommes en train de vivre avec cette pandémie, la solution, c'est l'espérance. Alléluia. Et qui dit l'espérance, dit la foi et la charité. Parce que l'espérance tient d'une main la foi sur laquelle elle s'appuie, et d'une autre main la charité de laquelle elle se nourrit et marche avec. L'espérance est une arme très puissante et une arme décisive dans le moment que nous vivons. 1 Thessaloniciens 5 au verset 8 nous dit, Saint Paul, par la puissance du Saint-Esprit, revêtez-vous de la, du culasse de la charité et de la foi. Permettez-moi de lire la parole avec vous. Et portez Thessaloniciens 5 excusez-moi hein, parce que cette parole il faut que je la lise 10 minutes d'accord. L'espérance comme une arme. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Avec le casque, avec la, le casque de l'espérance du charité, la cuirasse de la foi et de la charité, nous dit Saint Paul, de revêtir la cuirasse de la foi et de la charité. La cuirasse, c'est ce qui est dans l'armure qui protège la poitrine. Qui protège, c'est-à-dire le cœur. Le cœur qui est le moteur du corps humain, qui, on peut le comparer à la foi. Le cœur duquel sortent les sentiments les plus mauvais et dans lequel nous devons travailler pour combattre la jalousie, les envies. On peut aussi dire que c'est la maison de la charité. Amen. Mais la tête qui dirige tout, le cerveau qui commande tout, il nous dit porter le casque du salut, de l'espérance du salut. Parce que le salut, c'est un objectif, un but. Dans Romains 12, au verset 12, Saint Paul nous dit d'être animé par un zèle nonchalant, par la joie de l'espérance. Cette joie de l'espérance qui confère dans la tribulation la constance. Cette joie de l'espérance nous donne d'être constant dans la tribulation, d'être inébranlable dans la tribulation, d'être affermi dans la tribulation. Et il nous dit encore dans 12, dans Romains 12 au verset 12, que cette joie de l'espérance produit l'assiduité dans la prière. Voilà ce que donne l'espérance. Il donne la constance dans les tribulations. Il donne l'assiduité dans la prière. L'espérance nous dit, l'Église, c'est la disposition à espérer les béatitudes. Et que nous dit les béatitudes? Dans Matthieu 5 au verset 8, il nous dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Et je termine par cela. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu.
La plus grande gloire, c'est de voir Dieu. Alléluia. Le plus grand bien, c'est de voir Dieu. Alors l'espérance que nous avons, c'est de voir Dieu. Mais qu'est-ce qui produit cette espérance? C'est un cœur pur. Et que nous dit la parole sur un cœur pur? Qu'est-ce qui peut purifier notre cœur? Jean 17, verset 17, répond à cette question. Il dit ceci. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. C'est la parole de Christ que nous avons entendue, qui produit en nous la foi, qui purifie notre cœur. Il le dit aussi dans Jean 15, au verset 3 ou 6. Maintenant, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Dans Hébreux 14, 12 au verset 14, il dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Amen. Dans le psaume 24, il dit, qui accédera à la montagne de l'Éternel, l'homme aux mains innocents et au cœur pur. Nous avons le cœur pur par la foi, Alléluia, en la parole de Christ. Et cette foi produit l'espérance. L'espérance, c'est de quoi? C'est quoi? C'est de voir Christ. C'est de voir Dieu face à face. Dans le royaume des cieux. Mais c'est de voir la gloire de Dieu ici présent, dans ce monde-ci. Et c'est ce que la parole nous dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, la foi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, cette parole, cette phrase nous amène à la notion de foi. Tu verras la gloire de Dieu, l'espérance. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, la foi, tu verras la gloire de Dieu, l'espérance. Et c'est ça le message. Que nous devons utiliser la foi, l'espérance et la charité dans les moments qui sont présents. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Alléluia. Amen. Shalom à Marie-Noël Boissy. Shalom à Madolina. Shalom à Jean-Jacques. Shalom à Juliettine. Shalom à Claude-Charles Gomis. Shalom à Marie-Justine. Shalom à Jean-Jacques. Shalom à Flora. Shalom au corps diocésain du renouveau charismatique. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, comme l'a dit le frère. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être en ce moment, comme l'a dit le frère, tu es troublé. Je te demande qu'une seule chose, en ce temps du mois de Maman Marie, de demander à la Vierge Marie de venir rallumer cette flamme de l'espérance en toi. Car comme l'a dit la parole, l'espérance ne déçoit jamais. Il est temps que tu saisisses cette grâce. Il est temps que tu ouvres ton cœur à cette espérance. On a l'habitude d'exhorter sur l'amour, sur la foi. Mais aujourd'hui, le frère t'a interpellé à te revêtir de cette espérance du Christ pour pouvoir voir le Christ qui est assis sur son trône de gloire. Nous allons demander au Seigneur vraiment, par ce temps d'adoration, d'élever nos cœurs vers lui, afin qu'il vienne dissiper toute forme de ténèbres en nous, tout ce qui nous empêche de le reconnaître, tout ce qui nous empêche de voir cette espérance, lui le ressuscité, qui avec ses cinq plaies nous apporte la guérison, la délivrance. Tu es la désespérée, tu es la femme à qui on dit tu es stérile. Il n'y a plus de solution pour toi. Laisse-moi te dire, ne perds pas espérance. Tu es le chômeur à qui on ne cesse de croiser le doigt pour dire qu'il ne va rien, il ne va avoir rien dans sa vie. Tous ses frères et sœurs ont réussi ce fruit. Laisse-moi te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu es le célibataire, la femme qui commence à prendre l'âge. Et on te dit, tous tes amis sont mariés. Laisse-moi te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu es là, tu as des blocages dans ta vie. À chaque fois, il y a des ruptures dans ta relation. Laisse-moi te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu veux quitter ce pays, tu veux voyager, il n'y a pas de solution. Si tu crois, mon frère, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il est chanté. Et quand il chante, il exprime ce qu'il parle, ce qu'il ressent à travers les mots, les mélodies d'amour. Avec le ministère chant, tu vas te dire toi-même, si je crois, moi, je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. Shalom à Marie-Jeanne Diouf. Shalom à Frère.
concours. Shalom à toi, manifeste. Oui, si tu crois, tu vas la parole de Dieu. Alléluia. Ne t'es pas. Chante ce chant. Dessus, tu crois. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Je te fais confiance.
peuple. Ce n'est pas facile. Je veux te pour cette personne qui me suit. De chanter incurable, mais qui n'a jamais douté. Ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit. Aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Je bénis le Seigneur. Ce n'est pas facile. Pour ceux qui ont mis leur confiance en eux. Parce qu'ils ne déçoivent pas. De chanter. Et dans une vie. Alléluia. Ce n'est pas facile pour moi. Il est en train de visiter beaucoup de personnes. Mais je te fais confiance. Je pense à cette mère de famille. Ce n'est pas qui à chaque fois, à chaque jour, à chaque instant, dans le de à ses enfants. Elle n'a jamais douté de l'espérance de Christ. Elle ne travaille pas. Mais elle a toujours eu quelque chose à donner à ses enfants. Mais elle est en place pour Seigneur, on ne mange pas avec vous. Parce que c'est ça l'espérance. Ce n'est pas facile. La farine ne manquera pas, l'huile ne manquera pas. De chanter. Même s'il y a la famine, même s'il y a la sécheresse, tu mangeras à ta faim. Ce n'est pas facile. Qui nourrit les oiseaux dans les cieux, te nourrira quoi? Que tu aies du travail ou pas. Confiant. Ton Dieu. C'est que tu as besoin de t'habiller et il veille sur toi. De chanter. Et chaque instant de ta vie, le Seigneur veille sur toi. Ce n'est pas. Il est le Dieu de la providence. Il est le Dieu de l'espérance. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur à travers une louange. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le chantre qui est là. Et quand nous chantons, nous exprimons ce que nous ressentons à travers les paroles. Comme l'a déclaré la parole, Seigneur, notre louange n'ajoute rien à ce que tu es, mais nous rapproche de toi. Nous allons terminer en beauté, bien-aimés dans le Seigneur, pour louer encore Jésus-Christ de Nazareth. Après, le frère va clôturer. J'aimerais que tu te lèves là où tu es pour louer ton Dieu. Car aujourd'hui, le désespoir n'a pas de place. Le découragement n'a pas de place. Parce que sur la croix, Jésus-Christ a dit que tout est accompli. Et il a crucifié tout cela sur la croix. Mon Jésus, ton Jésus n'est pas resté longtemps au tombeau. Il est ressuscité. Et quand il est ressuscité avec toi. À travers la louange, tu vas demander au Seigneur de venir ressusciter tout ce qui était mort en toi pour que Christ soit le maître de ta vie. Nous allons remercier les pères de cette fondation, remercier tous nos frères et sœurs qui nous suivent, remercier les chantres, remercier le doyen et les niais, remercier le diocèse, remercier le frère Pierre-Marie Kungu. Mon frère, que le Seigneur bénisse ton ministère. Amen. Que le Seigneur ouvre les portes de grâce pour toi. Que le Seigneur t'élève puissamment dans ton ministère. Tout cela pour le salut des âmes. Le frère va clôturer la prière. Après, on va faire l'action de grâce. Alléluia. Demeurez tous bénis. Je vous aime et Jésus plus que moi. Amen. Que le Saint-Esprit a inspiré à l'autel sacré Saint-Paul. Je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Qu'il donne selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son Esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment
de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. À lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les siècles. Amen.